Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche spéciale dédiée aux actions de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Mesdames et messieurs, jeudi 5 août, la première dame, à travers sa fondation, a connu une journée assez chargée. Elle a reçu tour à tour la famille de la petite fille qui a connu des brûlures thermiques. Elle s'appelle Naomi Mbumba. La fille avait connu ces brûlures quand elle avait encore 2 ans. Et la fondation s'était investie pour évacuer la fille au niveau de Dubaï pour se faire soigner. Et là, la fille a regagné plutôt en compagnie de sa famille les pays. Et ils ont été reçus par la première dame. Question pour la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi de s'enquérir de la situation en bonne mère de famille. Elle a reçu également la fille Abigail, une fille qui a été atteinte par 4 balles au niveau des Nord-Kivu. C'était à l'occasion d'une marche organisée par les mouvements citoyens Lucha. La fille avait bénéficié également du soutien de la fondation Denise Nyakeru. Elle a été soignée aux frais de la fondation et elle a regagné Kinshasa pour rencontrer cette fois-ci la première dame. Question d'échanger et de s'enquérir également de l'évolution de son état de santé. Tout s'est passé au siège de la fondation en présence de la première dame qui était bien évidemment présente. Alors mesdames et messieurs, je vous laisse suivre ces condensés et je vous retrouve tout juste après. Si mokolo mama yaka kokota na kakotala borfele na bota courage na kei na ke kotala mama tango amoni mwana na ngai ayebisi ngai akoyebe ngai apres mokolo eleki mama ekobenga ngai na ekoya na fondation mabengi ngai ale ayekosalela biso bapasseport toyekokende papa naende akendaki mponga na tikalaki nazali na mokumba ayekokende na Dubai baopere mwana na ndenge mwana azongi mama mpe alobia kosulela ntina suka parce que mwana azalaki boyete abendanaka mpenza akangamaka moye mwana soki ezalaki ti lelo mbe nakufa kasi nzambe ayekosunga koleka na mama na ngai lelo mwana na ngai azongisi elongi na ye lisusu oyo nazalaka lisusu na espoir te yango nayekopesa merci na oyo asali mpona ngai mpona bana na ngai oyo mpona mwana na ngai Naomi parce que nayebi te mais nalobi kaka nzambe abakisela ye mibu ebele abatela mpe bana na ye famille na ye abatela mpenza ye makasi na eloko ya sali naza na eloko ya kopesa ye te kasi nzambe na ngai akoka kaka kobatela ye Ça fait un mois. Oui, ok. Et bien, je crois que ta semaine a beaucoup. C'est moi. Ah, d'accord. Ok. Comme ça, là. En cas, c'est pour moi. Nous aussi, ça me coupe. Excellent. On va partir à Maïcha. Il n'y a pas même à Nayan, il n'y a pas de pour mériter. Dans ce moment, on me dit. Renta. Première dame, Abigail Niona, Jean le Tora Ben, de l'humiliaire manifestation par élève, il y a plein d'acquis de salut. Qu'est-ce qui s'est passé tout le corps à Koumeri, pour manifestation, va élever tout le monde à président, Jean Massacre, à droit en somme, je te le peine à couille, à ton bien, pour l'Igama tout le temps en somme, je n'ai pas somme, l'air auquel je tabaque à Kounium, l'air auquel je tabaque à Kounium. Je vais en affronter, je vais valider, si je vais en ville à Ben, tout
twende kumeri tuchunge chef de l'état sata kuje ndio atambie kweli kama tu tuache mama afate kata masomo ni voa beni bia endeleshe jua sisi tuliona hatusomaki anena ishaka na tumalize programu mama sibo chako kule kushaka Merci, merci. Mungu ambariki, na Mungu ambupatie maisha marefu, kupote beba menifanizia. Ajuba manipokea pa bien sana na Mungu ambariki. Jina yako nani? Jinangu Katungu Kabikula Abigail. Basi, napika kwanza asante sana kwa mwongozi wetu, uliwali wetu, kwa kuweza kukamata charge ya mtoto. Wangu peke yangu, sina sikukua na kapasite ya kuweza kutunjisha huyu mtoto. Kini, presida alikamata charge wakati walimupresente kupitia chef wa mugine, kupitia chef wa masomo, wakaweza kumuchindikiza mpaka aonane na presida, na presida akaona huruma kwake na kwangu juu hatukuwa na kapasite ya kuweza kutunjisha mtoto, akakamata charge ya kuweza kumuleta mpaka huko. Na tunapokelewa mzuri, na munganga anampokea mzuri, anatunjiwa vizuri, basi naleta asante sana kwa Mwenyezi Mungu, aweze kuendelea kubariki kazi, aendelee maisha, ikuwe maisha yenye ya huruma na ya kazi kwa juu ya taifa yake. Mimi naona mkono wa Mungu inapitia kupitia waongozi wetu wa inchi. Tunapokelewa mzuri, tunalala vizuri, basi hapa kama tutarudi vizuri. Na kitu kikubwa, mimi naomba kwa presida aweze tena kusaidia kunipa souvenir ya kuweza, sababu tuko kule, tuko katika masakre, tulikuwa kumugine kushamba distance ya 35 km ndio tunatoka kuvile na shamba kule kulisha kwa masakre, tulisaka kimbia, tuko sasa ndani ya mugine, na pale ndani ya mugine tuna mimi naishi ndani ya parcelle ya jama, sio wote tunaishi pale. Ndio pale mimi naomba mimi president aweze kunitafutia hata ka parcelle fasi ndakuwa nachungia watoto nitoke pale mu parcelle ya jama. Ça n'est fini, mesdames et messieurs, pour cette tranche spéciale qu'on a dédiée aux actions de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Merci de votre sympathique et réelle attention. Nous remercions également la fondation d'avoir pensé à Congo Belle Télévision pour relayer ces activités. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.